Madame la présidente de la commission des lois, madame et monsieur le ministre. Depuis quelques semaines, le projet Stop Covid a suscité nombre de controverses et discussions comme jamais auparavant une simple application a pu le faire. Je dois reconnaître que cet emballement de préoccupations et de vigilance éthique m'a à la fois redonné espoir et amusé. Redonné espoir car il est souvent arrivé de regretter que dans notre société, voire au sein de cet hémicycle, on ne soit pas suffisamment sensible aux enjeux éthiques posés par le numérique. Et par le péril dans lequel se trouvent nos libertés, au fur et à mesure de l'invasion de notre quotidien par les nouvelles technologies. Le débat en la matière me paraît donc particulièrement sain, et je trouve tout à fait positif qu'il ait lieu aujourd'hui. Vous connaissez ma vigilance, partagée notamment avec ma collègue Laurence Bichsiewski, sur la préservation de nos libertés publiques. Amusé, car s'il est bon, toujours bon, de voir se manifester une prise de conscience et une vigilance sur de tels sujets, il est tout de même un peu cocasse que ce soit l'application Stop COVID qui devienne l'objet de tant d'opprobres. Ses adversaires lui font deux reproches essentiels sa dangerosité en matière de liberté publique et son inefficacité. Soit dit en passant, comment quelque chose d'inefficace peut il vraiment être dangereux? Mais laissons ça aux sophistes et restons concrets. Qu'est-ce donc que Stop Covid? Il s'agit d'une application open source, installée volontairement, protectrice de la vie privée, respectueuse du règlement général de protection des données, le fameux RGPD, et donc conforme aux prescriptions de l'ACNIL et de l'ANSI. Les données sont toutes pseudonymisées dans le serveur et pourront être utilisées de manière statistique à la fin de recherche sur les modèles de diffusion de l'épidémie. Strictement dédié à la gestion de l'épidémie de Covid-19, le dispositif ne vise aucunement à s'assurer du respect des mesures de confinement. Il sera utilisé pour sécuriser le déconfinement et il ne permettra non plus l'identification des zones dans lesquelles les personnes positives se sont déplacées. A ce titre, l'application ne repose pas sur des données de localisation. Ce n'est donc pas une application de « tracking ». Les collectivités locales se sont portées candidates pour être tiers de confiance et c'est une initiative que je ne peux que saluer. Non, nous ne serons pas traqués via StopCovid. Connaissez-vous beaucoup d'applications qui réalisent un tel sans faute en matière de respect des libertés Moi, pas. Dans le cadre de la stratégie de déconfinement du ministère de la Santé, le message reçu par les personnes alertées par l'application, comme ayant été à proximité d'une personne diagnostiquée positive au Covid-19, leur permettra d'être prise en charge de manière adéquate. Il n'y a donc aucune raison de se défier de ce dispositif. Sécurisés par des garanties dont peu d'applications actuellement en fonctionnement peuvent se targuer et dont l'usage est strictement limité à la pandémie actuelle. Non, le loup n'est pas dans la bergerie. Il est au contraire satisfaisant de constater qu'en l'espèce, l'intelligence artificielle est au service d'une intelligence humaine raisonnée, raisonnable et bienveillante. Veillons à ce que ce soit toujours le cas. Je ne dirais pas la même chose du recours à la reconnaissance faciale envisagé par certaines municipalités pour sanctionner ceux qui se tiennent trop près les uns des autres ou qui ne portent pas de masque. Est-ce le modèle de société vers lequel nous devons, nous souhaitons évoluer Permettez-moi d'en douter. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit d'un usage raisonné de l'intelligence artificielle que nous avons présenté, avec quelques collègues dont Philippe Bertha et Cyril Isaac Sibyl, respectivement généticiens et médecins, une note blanche de soutien à la proposition covid ia initiée par un groupe de scientifiques. Ce programme a pour objectif de contrer la seconde vague si redoutée du virus grâce à un test statistique rapide des 67 millions de Français réalisé par intelligence artificielle. On le voit donc, Stop Covid n'est qu'un outil, et bien évidemment pas le seul qui puisse être envisagé dans la stratégie de déconfinement mise en place par le gouvernement. Il participe d'une volonté de synergie, de pluralité des différents moyens mis en œuvre. Nul n'est capable d'en évaluer l'efficacité a priori, mais j'aurais tendance à penser que s'il ne devait sauver qu'une seule vie humaine, cela justifierait en soi son existence. C'est pour toutes ces raisons que le groupe Mouvement démocrate et apparenté votera majoritairement pour ce dispositif. Il sera en tout cas dommageable que les critiques éthiques, dont il est fait à tort l'objet, découragent un trop grand nombre de nos concitoyens de l'expérimenter. Comment objectivement évaluer un dispositif qui n'aurait pas pu véritablement se déployer Ceux qui s'effarouchent de covid pour la sécurité de leurs données personnelles sont les mêmes qui n'hésitent pas pourtant à les mettre en péril sur des plateformes de visioconférence comme Zoom, dont la fiabilité le à désirer. Consacrons-nous donc, s'il vous plaît, à de justes combats. Les difficultés rencontrées par Stop Covid sont d'ailleurs les révélateurs sans concession de nos défaillances en matière numérique. Sa mise en œuvre représente donc un terrain d'expérimentation qui se situe bien au-delà de sa raison d'être première. Ces obstacles n'en sont pas moins préoccupants. Le premier ne nous était pas inconnu. Je veux parler de la fracture numérique, mais il se rappelle à nous avec d'autant plus d'acuité que l'efficacité d'un tel dispositif réside en grande partie dans sa capacité à être utilisée par le plus grand nombre. Cette difficulté fait d'ailleurs écho à celle rencontrée pour que soit assuré l'accès au téléenseignement de certaines catégories de population pendant le confinement. La crise actuelle souligne de nouveau l'urgence d'y remédier. Cette fracture est triple elle est d'abord géographique, tributaire de la persistance dans notre pays de déserts numériques encore trop nombreux, révélatrice d'une discrimination territoriale préoccupante quant à l'accès de certains de nos concitoyens aux nouvelles technologies et par la même aux perspectives, notamment d'emploi, qu'elles propose. Elle est ensuite culturelle en raison de la plus ou moins grande maîtrise de l'outil numérique par certains de nos concitoyens, notamment les plus âgés. Ces deux causes peuvent bien évidemment se cumuler. Celui qui vit dans un désert numérique a moins d'opportunités de s'approprier l'outil numérique. Cela va de soi. Elle est enfin économique. L'application ne pourrait être installée que sur des téléphones portables de type smartphone, ce qui exclut de facto du programme ceux qui n'en possèdent pas, souvent parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Un boîtier est en cours de réalisation pour remédier à ce problème. Les réponses à la fracture numérique, notamment le développement à venir de la 5G, sont bien connues, mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet. En revanche, s'il est une défaillance cruellement révélée à la faveur de ce projet Stop Covid, c'est bien celle de notre souveraineté numérique. C'est un sujet d'inquiétude essentiel, sur lequel travaille d'ailleurs mon collègue Philippe-Michel Klansbauer, spécialiste des questions de cybersécurité au sein de la Commission de la Défense. L'épisode Stop Covid apporte encore la preuve, s'il en était besoin, de notre dépendance coupable à Google et à Apple. Nous utilisons, utilisons leurs systèmes d'exploitation, les OS, nos datas sont hébergées dans le cloud américain, nous sommes soumis à leur bon vouloir, comme l'a montré le bras de fer qui a eu lieu en raison du refus d'Apple et de Google de nous fournir leur code pour implémenter notre propre logiciel, sachant que ces mêmes GAFA souhaitent imposer leur propre architecture logicielle. Reconnaissons-le, nous sommes captifs. StopCovid s'inscrivait dans un cadre européen afin de garantir une interopérabilité entre les applications nationales éventuellement déployées. Une partie de ces échanges a eu lieu au sein d'une initiative encore informelle, le Pan-European Privacy Pres Preserving Proximity Tracing, qui avait pour ambition de donner un cadre d'interopérabilité entre des solutions nationales respectant strictement le cadre européen de respect de la vie privée et de protection des données. Le véritable enjeu de Stop Covid n'est donc pas celui qui focalise l'attention de ses adversaires. Je veux parler du risque d'une éventuelle atteinte à nos libertés par ceux qui nous gouvernent, mais plutôt celui de l'abandon d'une partie de notre souveraineté nationale l'histoire éternelle de l'arbre inoffensif en l'occurrence qui masque la forêt. Et dans la forêt, puisque nous parlons santé, se trouve par exemple le Health Data Hub qui hébergera les données de santé de nos compatriotes chez Microsoft. Il en va de même monsieur le ministre sur l'utilisation du reCAPTCHA de Google dans l'appli. Voilà des vrais sujets d'inquiétude. Les enjeux éminemment stratégiques sont ailleurs. Nous sommes tel David face à Goliath et si nous ne réagissons pas nous ne vaincrons pas les géants du net. Nous devons échapper à cette soumission trop longtemps consentie et occultée. C'est une question de souveraineté et donc de sécurité nationale. Stop Covid est pour nous l'occasion d'apporter une première brique, modeste, à la construction de notre indépendance numérique. Notre pays doit être moteur dans la construction d'une Europe numérique qui doit trouver sa place entre les géants américains et le dragon chinois. C'est pour ça qu'il pourquoi il était pertinent, au-delà de la problématique sanitaire, que Stop Covid participa au PPPEPT. C'est pourquoi il est aussi profondément regrettable que les États européens avancent finalement en rang dispersé, que la France soit isolée dans sa volonté de se libérer de l'emprise des GAFA. C'est un symbole qui vaut bien au delà du seul enjeu sanitaire de cette application. Nous sommes en retard, très en retard sur le sujet de la souveraineté numérique, et c'est pour cela que nous devons mettre les bouchées doubles. Cela passe par un véritable ministère du numérique doté de compétences transversales, par une vision prospective, un soutien sans faille à l'innovation et l'expérimentation, et par l'instauration d'une véritable coopération européenne dans ce domaine. De cet épisode, le groupe Mouvement démocrate et apparenté retiendra donc la nécessité pour la France d'acquérir sa souveraineté numérique et prendra d'ailleurs avec conviction sa part dans cet incontournable chantier. Je vous remercie.